Je m'appelle Akaï Nasri, ça fait 2 ans que je travaille ici à Puratos. Je travaille dans le secteur améliorant et margarine. Moi, j'ai fait technicien automobile, donc rien à voir avec l'alimentaire. Ben, j'ai mon père en fait qui travaille ici et j'ai déjà travaillé ici en tant qu'étudiant il y a 5 ans de ça maintenant. Et j'ai décidé de revenir parce que je me sentais bien ici et j'aimais bien travailler ici. Ouais, c'est d'abord 3 CDD avant d'avoir le CDI. Et là, je suis à la fin de mon 3e CDD. Ma fonction, c'est opérateur. Moi, je gère la salle des commandes, on va dire. Donc, les machines, je les gère via ordinateur. Je dois caper certains produits dans les mixeurs. Et voilà. Caper, ça veut dire mettre un sac dans une machine. Il y a certains produits qui viennent automatiquement, comme les graisses, vu qu'ils viennent en grosse quantité. On ne sait pas nous-mêmes les caper, c'est 2 tonnes, 3 tonnes, ça dépend de la quantité de la machine. Et en fait, nous, la seule chose qu'on doit caper, c'est tout ce qui est les petits arômes, c'est tous des petits liquides, des prémix, des poudres ou du colorant, certaines choses comme ça, mais en toute petite quantité. Tout ce qui est en grosse quantité vient automatiquement dans les cuves. Par exemple, à ma pause de 14 h, nous on doit être là toujours 10 minutes avant, à 13 h 50, pour recevoir les informations de l'équipe précédente. Donc on appelle ça le sort. Donc combien de machines ont-ils produit? Est-ce qu'il y a eu des risques de qualité, des accidents, des incidents, quoi que ce soit, juste pour avoir toutes les infos de l'équipe précédente. Je regarde juste ce qu'il y a à faire sur le planning et je lance mes machines. C'est assez simple, on a 2 écrans. Un écran qui gère donc tout ce qui est mécanique, les mixeurs, les moteurs, etc. Et on a un écran où on lance notre batch. Notre batch, c'est le nom du produit, qu'est-ce qu'on doit produire, la quantité, tout ce qu'il y a à mettre dans le mixeur, donc les ingrédients, etc. En fait, on doit simplement suivre ce que l'écran nous dit de faire. C'est à tel moment qu'on met tel arôme, à tel moment telle matière première, etc. Jusqu'à obtenir notre mixeur prêt et à la fin, il nous suffit juste de le soutirer. Je dois par exemple mettre un arôme, ben, je dois attendre que ma température du mixeur soit à bonne température. Il y a certains problèmes mécaniques ou quelques fuites sur des tuyaux, sur des vannes ou certaines choses comme ça. Mais bon, ça, c'est pas à nous de gérer ça. On appelle la mécanique, les techniciens qui viennent s'en charger. On travaille en 3 pauses, il y a 3 équipes. Et chaque semaine, en fait, on change, donc on passe de nuit à après-midi, après-midi à matin, et puis ça, on recommence de matin. Il y a des avantages comme des inconvénients. Ben, après, ça dépend. C'est vrai que c'est difficile avec je veux dire, le décalage, etc. Quand on passe de nuit au matin, quand on fait les après-midi, on a une prime. Quand on fait la nuit, on a une prime beaucoup plus haute, elle est beaucoup plus élevée. Donc ouais, c'est beaucoup mieux. Dans l'alimentaire, c'est assez correct. Moi, pour moi, je trouve que je suis assez bien payé. Donc, je ne vais pas me plaindre. Et c'est pour ça que si je peux ramener d'autres personnes pour travailler ici et qui se sentent aussi bien que moi ici, je le ferai sans hésiter. Quand j'ai eu mon contrat, donc j'ai d'abord été formé sur une ancienne ligne de production durant quelques mois.
Et vu que là, on lance un tout nouveau projet, le master plan, donc une toute nouvelle ligne de production. Et vu que j'étais nouveau, on m'a tout de suite installé sur la nouvelle ligne de production. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à aller, je suis arrivé au bon moment, on va dire. Et là, ça va, j'ai un bon poste. Il y a moyen de faire de longues carrières, de progresser, pas toujours stagner au même poste. On peut très bien passer d'opérateur à team leader, ensuite manager. Les possibilités ici sont grandes. J'ai commencé aussi en étudiant, ensuite intérimaire. Ensuite, il a eu son contrat pour être opérateur, comme moi, et maintenant il est passé chef d'équipe. Je me sens bien ici. Comme je vous ai dit, j'avais déjà travaillé ici en tant qu'étudiant, donc je pouvais très bien aller ailleurs. Si je suis venu ici, c'est que je me sentais bien ici. Je connais déjà un peu tout le monde. J'avais déjà mes habitudes ici et c'est pour ça que j'ai voulu revenir ici. C'est une entreprise familiale, ça fait longtemps que cette société maintenant existe et on s'est toujours bien entendu, que ce soit les techniciens comme les techniciens avec les opérateurs, comme les personnes du bureau, du RH, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Donc oui, c'est une grande famille. Ça nous arrive de goûter les produits et il y a certains produits que j'ai mangés ici que je n'ai jamais mangés dans aucune autre boulangerie. On a la possibilité de prendre pas juste des pains, mais des croissants, des gâteaux qu'ils nous offrent de temps en temps ou des pains et des croissants qu'ils mettent toujours à disposition, souvent à disposition, qu'on a le droit de prendre gratuitement.